Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Track Day. Place à la Porsche 917K dans R Factor 2 cette fois-ci. Le bolide sorti de cela il y a quelques mois était assez à l'étude et il a bien évolué aujourd'hui. Il était temps de vous le présenter. Une voiture absolument somptueuse qui est une légende du sport automobile, notamment des 24 heures du Mans et des 24 heures de Daytona. Raison pour laquelle nous l'avons amené, non pas dans la Sarthe, mais bien sur la piste américaine. Un poids de 800 kg pour une puissance de 580 à plus de 600 chevaux. Cette voiture n'a été produite qu'à 65 exemplaires numérotés. Moteur 12 cylindres évidemment, qui peut varier de 4,5 litres à 5,4 litres évidemment. A flat 16 a également été à l'étude, ça peu de gens le savent, je pense qu'il développait quelque chose comme, tu vois, 900 chevaux, enfin bref, c'était quelque chose de démentiel. La voiture pouvait être boostée évidemment, c'est quelque chose d'assez bien de pouvoir revivre avec ce genre de voiture des combos historiques. On aurait bien aimé la tester au Mans, mais on va s'abstenir cette fois-ci, peut-être plus tard dans un onboard quand un mode historique du Mans sortira, bref. Restons patients pour l'heure. La voiture est très agréable à piloter avec une très intéressante particularité, c'est-à-dire que lorsque vous touchez les freins, le train arrière va balader avec la largeur de la voiture, la largeur des pneus. C'est vraiment un sentiment très agréable de, au moment où vous touchez les freins, la voiture va partir d'un côté avec le train arrière, mais vous ne savez pas lequel, donc il faut savoir récupérer ces dérobades. Très agréable, ça ne bouge pas avec l'appui aérodynamique dans le banking, hein, c'est vraiment très très bien réalisé, je trouve. En tout cas, c'est l'idée que je me fais personnellement de ce que devait être cette voiture à piloter, même si la nuit dans les Hunaudières ça devait être absolument terrifiant pour des pilotes qui avaient des attributs bien développés. Bref, je vous laisse profiter de l'excellent au passage son très bien réalisé de cette Porsche 917K que vous retrouverez donc dans la description. N'hésitez pas les amis à, comme le veut la tradition, monter le son.